Non, je t'ai pas trompé. J'ai effectué un interstice momentané sous l'influence non contrôlée d'eau de vie d'éthanol. Pas non plus. Ah, en vrai, la fidélité. Je comprends pas que des gens puissent encore s'étonner de se faire tromper. Tu vois, ça fait des millénaires que dans le monde entier, tout le monde se fait tromper. Hein, t'es, peu importe la religion, peu importe l'âge, peu importe la beauté, tout le monde se fait tromper. Et quand ça t'arrive à toi? Je comprends pas. On était connectés, comment on a pu me faire ça? Mais regarde ton espèce, trou de fion. Par contre, les gens qui sont infidèles et très jaloux, le toupet. Non mais excuse-moi, être jaloux, ça te rend pas moins trompeur. Hein, vraiment, non mais c'est un principe, faut le comprendre. Hein, je veux dire, la fidélité c'est pas une barre de vie, genre je prends une potion, ça va mieux. A l'inverse, je comprends pas non plus les couples qui sont genre très fermés, tu ne connais plus que moi. Voilà, t'as plus de rencontres, plus de soirées, plus d'amis du sexe opposé. Nada, niet, fini, khras. Maintenant tu as moi, tu as aussi moi, à la limite t'as mon pote, moi. Voilà, c'est tout, y'a pas... Il y a, paraît-il, d'après la légende, des gens qui, ayant trompé leur conjoint, leur avouent, après coup, l'avoir trompé. Non, bah là, on nage. On nage, dos crôlé. Vas-y, lâche-toi. Vas-y. Donc toi, au lieu de réfléchir et de pas la tromper, ou de la tromper et de pas lui dire, tu décides de la tromper et de lui dire. Mais plante-la direct, en fait. Non, mais quitte à la faire souffrir, vas-y, franco, mets les mains, ouais. Alors, il y a aussi la fidélité en amitié. Mais bon, là... Pour voir si t'es fidèle à une meuf, tu mets une meuf. Pour voir si t'es fidèle à un pote, tu mets une meuf. Pareil, pareil, les gars. Si l'être humain, il était fait pour être fidèle, on n'aurait pas si peur de se rapprocher des autres. Hein, donc, je veux dire... Sinon, on peut en parler. Je veux dire, venez en DM, on en discute, les filles, voilà, il n'y a pas de...